Up in the summer sky. On n'aurait pas été mieux ici, Denis ? Si, si, on n'est pas invité. On n'est pas invité, on va repartir à notre place. Dans la grotte. But then crack the thunder and the heavens cried. Elle est sympa cette pièce, le gros. Hein ? De ma mingue, on a pas le droit de bouffer. On est punis, on est français, on est punis. Now I'm standing in our ashes, feeling the sunshine once again. I move to the horizon, feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine once again. Feeling the sunshine.
rappelles de la journée, c'est Oui, j'ai un peu la journée, moi. Ouais. Je suis comme un gardon. Et moi, j'ai dormi 2 heures dans le bus. Je suis jackpot ce soir. Emy, qu'est-ce que tu penses de Doga, le nouveau sobriquet? Doga, c'est vraiment un gars, il est vaillant, il est bosseur. Il est pas vraiment sobriquet, mais il est quand même gentil, c'est vraiment, on l'apprécie. Rémi de Gers, pour commencer, je vais commencer un par un. Rémi de Gers, c'est une grosse merde. Le mec, on arrive à Hernani, il se barre. Il fait son équipe et il se barre ailleurs. Franchement, s'il a une copine, je suis désolé de lui apprendre comme ça, mais il a été au pied. Ensuite, il y a Kevin Alemany. Kevin Alemany, il dit qu'il est blanc un coup qu'il est noir. On sait jamais de quoi il est. En fait, je pense qu'il cherche son identité encore. On a Alexandre Sall. Alexandre Sall, c'est le président. Le président, on peut pas le toucher. Il est intouchable. Il faut qu'on fasse ce que lui a décidé, toujours. Il décide, on va à tel bar, ben on va à tel bar. Après, il y a Joe Lapeg, voilà, on passe. Il y a Damien Alemany, ben Damien Alemany, c'est à peu près le même que Kevin, ça ne fait pas de vidéo. Oui, c'est encore moins, ça rien. Et pour finir, il y a Mathieu Dubourg. Mathieu Dubourg, voilà, c'est le frère Il y a une espèce d'Astien qui fait que crier. Suis glace. Il a passé de 8h à 20h à crier le type. Je sais pas, il doit pas savoir s'exprimer. On se demande s'il n'est pas de la tribu Orsoise. J'ai pas pris les voyelles aujourd'hui. J'ai pas pris les voyelles. Mais je pense surtout qu'il est gavé casse-couille. Donc tu l'aimes bien, c'est un mec bien. Vraiment, en tout cas, c'est un mec bien. Ouais, c'est vraiment un mec bien. Un mec chouette, un mec grossier, un mec bien. Vous savez. C'est vrai, une merde. Je pense pas, mais tu penses la même chose. Entre nous, c'est sacré merde. On coupera ça.